Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation du tarot spirituel des chats de Lisa Robertson et illustré par Adam Oulers qui était déjà sorti en anglais sous le nom de Soulcat Tarot chez les Willines. Donc, je vais vous faire une petite comparaison entre les deux vite fait, euh, vu que je sais qu'il y en a qui aiment bien quand ils ont déjà craqué comme moi. Pour la version anglaise, bah, voir du coup euh, ce que ça donne dans la version française. Donc, bah, comme vous le voyez, la boîte est plus petite déjà. Ici, on avait une boîte aimantée qui s'ouvrait comme ceci, tandis qu'ici, on a une boîte cloche. Voilà. Je vais peut-être d'abord vous lire euh, bah, ce qui est écrit ici au dos. Donc, celui-ci a été traduit en français aux éditions Exergue chez Trédaniel. Daniel. Alors, renforcez votre intuition et renouvelez vos objectifs grâce au chat divin. Retrouvez votre passion du jeu, votre sens de l'aventure et votre aptitude à aimer grâce au félin messager de ce tarot ludique et brillant, réalisé d'après le tarot Rider-Waite-Smith. Impatients de vous accompagner, ces guides spirituels de toute taille et fourrure, à la fois séduisants et divins, vous apprendront que, quelle que soit votre apparence, vous possédez en vous la beauté, un objectif de vie et des dons remarquables. Avec un livre conçu par l'expert du tarot Lisa Robertson et les illustrations spectaculaires d'Adam Hullers, le tarot spirituel des chats est l'outil parfait pour dynamiser vos tirages et vous relier à votre intuition. Donc, dans ce coffret, on a un livre explicatif de 208 pages, tout en couleur. 78 lames il magnifiquement illustrées et euh, le sac satiné pour les protéger. Il est au prix de 28 euros. Comme d'habitude, je vous mettrai mon lien vers Amazon si jamais vous avez envie de donner un coup de pouce et de passer par là. Et sinon, il est disponible partout à partir du 25 janvier. Donc, il n'y a plus beaucoup de jours à attendre. Voilà. Donc, Adam Hullers, vous connaissez peut-être ou pas, c'est lui qui a illustré euh, mes tarots préférés, hein, le le Ohakashentan tarot, le Smoke Ash et Embers tarot et le petit dernier, le Tisseldown Oracle avec Stéphanie Burrows et euh, c'est lui aussi qui fait le tarot avec les petites souris euh, qui va bien se sortir aussi, voilà donc moi je suis trop contente de l'avoir en français bon je suis déjà bien contente de l'avoir en anglais hein, mais voilà, bon par contre la boîte est plus large je dirais, ouais voilà, moi bon, j'aime bien ce format de boîte aussi par contre, comme je ne l'ai pas encore beaucoup ouvert, il est un petit peu dur à ouvrir. Dans le couvercle, on a l'œil. L'œil qu'on retrouvait, en fait, dans le fond de la boîte. Voilà. Ici, on avait une boîte avec des étoiles. On avait ce grand bouquin. Les cartes étaient ici dedans. Et on avait le fameux œil là. Voilà. Ici, il est un petit peu moins prononcé dans la couleur. Bon, je vais mettre la grande boîte de côté. Bon, je ne sais pas encore ce que je vais faire avec euh, la version anglaise, si je vais la garder ou si je vais la revendre, je ne sais pas encore. Je vais voir. Donc ici, on a les cartes dans un pochon. Et du coup, le livret est ici, plus petit. L'intérieur de la boîte est comme ceci. Voilà, j'ai viré les boîtes. Donc bah, le livre, il est pas mal non plus en hein, plus petit. Voilà. Euh, ici, bon. Ici, il était sur du beau papier glacé, c'est vrai. Euh, et je vais vous montrer quand même... Euh, Bon, ça reprend la même chose. Hein. Mais par rapport, par exemple, à la carte du fou, bon, forcément, euh, l'illustration sera moins grande. Hein. Mais bon, ma foi. Bon, maintenant, évidemment, je l'ai retrouvée ici, je l'ai perdu sur l'autre. Je voulais juste... Ah voilà, vous montrer la différence. Oh, vous montrer la différence de taille. Voilà. Voilà. Et ici, on avait un papier glacé, mais bon, c'est pas si grave. Sinon, le livre, c'est la même chose à part bon qu'il est plus petit, il est peut-être plus facile à emmener partout, et qu'ici, ben, on avait des... le papier glacé. Bon, je vais mettre le livre derrière, et on va regarder celui en français, évidemment. Voilà, très joli. Alors, on a la page de garde. Le sommaire, moi j'adore les illustrations, j'adore ce que fait Adam c'est vraiment. Donc on a une introduction, puis ensuite on a des tirages, les arcanes majeurs, puis les mineurs, conclusion à propos de l'auteur et à propos de l'artiste. Voilà, oh, qu'est-ce que c'est beau hein. Moi je suis contente de l'avoir en français, tout simplement euh, pour avoir ben, l'explication des cartes en fait. Voilà, ici voilà comment utiliser les cartes. Voilà. Le, ces derniers et moi-même, nous avons divisé en six étapes ouverture, action, mélange, le lancer, le journal, la clôture. Voilà. Ici, elle vous explique un petit peu hein, comment ouvrir, activer, comment mélanger les cartes, etc. Comment terminer un tirage. Alors, ensuite, on a. Le tirage instantané énergétique, modèle ou ordre dans lequel placez vos cartes de manière à les lire, celui-ci est baptisé instantané énergétique par les chats divins, permet d'obtenir un aperçu de votre énergie globale et de son impact sur vos pensées, vos sentiments et vos actions. Donc ici en quatre cartes. Alors, on retrouve le tirage l'œil du chat. Voilà. Créer ce tirage destiné à vous révéler ce que vous ne voyez pas. Le chat et la souris, j'aime bien aussi. Voilà. Et là, vous permet de déterminer si votre situation actuelle dans ce jeu du chat et de la souris sera à la hauteur de votre investissement de temps, d'énergie et d'argent. Les chats aimants. Et là, ce tirage vous donnera un aperçu rapide des énergies qui vous lient à vos amours présents et futurs. On a les prévisions mensuelles du chat divin, voilà. L'énergie du mois, en trois cartes. Un cadeau à votre porte. <laughs> c'est trop comique, ça. Voilà. Euh, ici, c'est plutôt euh, un petit rituel, hein, voilà, avec euh, le matériel à avoir pour l'incantation. Et elle vous explique le déroulement. Euh, voilà. Par exemple, quatrième jour, on va enterrer la cire, le sel, l'herbe à chat et les souris dans votre jardin. Les arcanes majeures, du coup, avec bah, l'illustration pleine page couleur, le numéro, le nom, un petit paragraphe ici, euh, orientation, protection, voilà. Donc, endroit en même pas endroit en vert, orientation, protection, voilà. Et du coup, ah, du coup, c'est chouette, ils nous ont mis par suite une couleur. Pour les mineurs, par exemple, ici, on a les deniers en vert. Les bâtons en, en rouge rose, les épées en vert ver, d'eau bleu et les coupes en mauve. Voilà. Il est beau hein, le livre vraiment. Alors on va aller jeter un œil quand même à la fin. Ah, y allez moi ça cette illustration. Waouh. Une conclusion. Un petit à propos de l'auteur. À propos de l'artiste qui est du Royaume-Uni. Des petites pages de notes. Et voilà. Je vais quand même juste regarder par acquis de conscience. Ouais. Ah ben on avait déjà les couleurs ici, j'ai même pas remarqué. Voilà. Ouais non, on a exactement la même chose. Euh, ici, guidance et protection. Exactement la même chose. J'avais un petit doute. Alors, ça, ce sont les cartes de la version du coup. Anglaise. Ici, on a le pochon argenté. Je suppose qu'ils nous ont mis des tranches argentées. Ouais, je l'aurais parié aussi. Zou Alors, le dos, ben forcément, il est identique. Hein. Voilà. Peut-être un peu plus prononcé la couleur ici. Ici, comme je viens de vous le dire, on a une tranche argentée. Et je pense que le paquet ici est quand même plus gros. Ici, on a une tranche neutre sur la version anglaise. Ouais, voilà, on le voit tout de suite. Hein. Vous voyez. Je pense tout de suite la différence. Hein. Chez les Willing, c'est toujours euh, des cartes euh, bah de qualité plus fine, tandis qu'ici, euh, elles sont plus épaisses. Hein. Voilà, il n'y a pas photo. Euh, sinon, la présentation est identiquement la même. Bon, je ne vais pas vous comparer les cartes, hein, vu que c'est exactement les mêmes. Mon jeu n'est pas dans l'ordre, voilà, vu que je l'ai utilisé. Je peux vous monter, montrer la première. Les couleurs ont l'air euh, plus prononcées, quand même, ici. Hein. J'aime mieux les couleurs de la version française du coup, euh, elles sont un peu plus foncées, ouais quand même. Avec aussi, on dirait mon petit garfilou en train de faire un câlin du coup au balai. Voilà, donc ça, on va les mettre sur le côté et on va se pencher sur la version. Euh... Je vous avais pris une carte de tarot quand même pour vous montrer la taille, mais bon, ouais cette taille, euh, taille, taille tarot classique. Ouais, de nouveau quelques millimètres en plus, mais ça joue vraiment à un ou deux millimètres. La qualité est chouette, franchement, euh, j'aime bien. Alors on a le fou. Le magicien, et franchement il est tellement beau. Waouh, la grande prêtresse. Je suis contente de l'avoir en français. Celle-ci, regardez. L'impératrice avec ce petit hérisson. Waouh. <laughs> L'empereur. L'hierophante. Les amants pour les amoureux. Pareil, un Force en 8. Justice en 11, qui suit le rider, le chariot. La Force. Avec la petite souris qui vient délivrer le chat des filets, on dirait. L'ermite. La roue. La justice. Le chat pendu, pour le pendu. <laughs> la mort. La tempérance. Perso, je crois que c'est un des plus beaux euh, tarots. Je crois qu'il dépasse même celui des chats mystiques ici avec un chat sphinx pour le diable. Hmm, la tour avec le chat qui jette la lampe. L'étoile. La lune qui est sur la boîte. Magnifique. J'aime bien parce qu'on retrouve le loup et le, le homard ici, en pendentif. Le soleil. Avec ce chat qui profite du soleil. Le jugement, elle est magnifique. Le monde. Ensuite, on passe au denier avec l'as de denier. Le 2. Le 3. Le 4 avec un petit hérisson encore. Le 5 avec le pauvre petit qui gratte à la porte pour rentrer. Le 6. Le 7 avec l'attraperait, vendenier. Trop beau. Le 8. Le 9. Le 10 le valet le cavalier de denier la reine de denier elle est belle le roi l'as de bâton ils sont beaux les as vraiment le deux on dirait le chaboté le 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, il est tellement beau. Le valet. Avec ses petites lunettes d'aviateur, j'adore. Cavalier. La reine, elle est trop jolie, la reine. Et le roi. Waouh! L'as d'épée. Et il a l'épée ici en pendentif. Il a un talent incroyable. Hein. Le 2. Le 3. 4. 5. Ils sont en train de, de retenir le tissu que le chat tire le 6 7 8 9 le 10 le valet waouh avec la libellule j'adore le cavalier la reine le roi et on finit avec les coupures oh, oh, quels yeux et la coupe est là le 2 avec les petits poissons. Le 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 9 valets. Le cavalier, la reine et le roi. Voilà. Oh, il est tellement beau. Je suis trop, trop, trop contente du coup. Et du coup, la, les, la qualité a l'air meilleure. C'est trop bien. Oh, bah, J'allais dire, on va mélanger, mais il y a le roi de bâton qui est venu. Bah, on va prendre le roi de bâton. Bon, euh, il se mélange super bien hein, et euh, il s'étale super bien aussi. Voilà. Vous voyez, ça glisse tout seul. On va du coup aller voir bah, la signification du roi de bâton. Voilà. Du coup, les bâtons, c'est dans les couleurs ici. Et je vais vous lire. Voilà. Donc, ici, vous l'avez en grand, quelle prestance. Hein? Waouh Il en jette. Alors, lorsque vous jouez avec le feu, mieux vaut savoir ce que vous faites. Sinon, tout risque de s'enflammer autour de vous. Vous n'arrivez pas à ce niveau de maîtrise par hasard. Travailler avec la force imprévisible de cet élément au pouvoir alchimique demande du temps, de l'énergie. Et de la concentration alors l'orientation le feu constitue un élément majeur de la vie plus nécessaire que vous ne l'imaginiez il brûle aussi en vous et est la cause de vos transformations les plus profondes mais uniquement si vous l'utilisez avec humilité il n'y a pas de place pour l'ego dans le royaume ardent du roi de bâton en conséquence soyez attentif avant de tenter de vous amuser avec lui car il ne se contente pas de brûler il mord aussi en protection parce qu'il peut provoquer les plus gros ravages il importe que vous commenciez par connaître votre feu intérieur ce qui brûle en vous également à brûler ce qui vous ce qui brûle en vous tend également à brûler à l'extérieur je vais y arriver surveiller ce brésier brûler de passion ou de désir est une chose vouloir embrasser le monde dans la peur et la colère en est une autre voilà eh bien, je suis vraiment très contente euh, bah, qu'il soit sorti en français. Vraiment, je n'avais pas euh, aperçu qu'il allait sortir en français. Voilà. Donc, je suis vraiment euh, trop contente euh, parce que, bah, ce sont, euh, j'adore ces illustrations. Vraiment, elles sont magnifiques. J'adore l'artiste. Hein. J'aime tous les jeux qu'il fait. Euh, il a un talent incroyable de dessinateur. Voilà. Le livre est très chouette aussi. Hein. Euh, et bien, c'est chouette d'avoir le texte en français, du coup. Voilà. Du coup, ben, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Euh, si vous avez vu qu'il sortait en français, si vous l'avez déjà précommandé ou pas, ce que vous en pensez. Si vous avez la version anglaise, euh, dites-moi tout ça dans les commentaires. Comme ça, on partage tout ça ensemble, comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.